Finalement, comment on peut pas finir? Qui a fait quelque chose? Deuxièmement, et là, comme on parlait avant les deux ministres, qui ça nous a dit de Joseph Saint-Jean? Écoutez, moi je pensais que le sénateur Sorel se parlait de rencontre. Côté Lydie, dans la deuxième partie, a le OEA a fini par l'élection, nous avons dit non. Et nous avons dit que bon crise et que le premier point de la résolution de la crise, c'est le départ du journaliste. Et que dans ce sens, OEA a fini par la question, on l'a dit. Mais pas oublié, il y a plusieurs groupes pour le rencontrer. Ce n'est pas un seul groupe qu'il a rencontré. Donc, l'idée, à 5 heures, de recevoir le groupe, jeudi. Donc, nous pensons que l'a fait, il a fait justement une idée de crise là, puisque fois ça, c'est des documents, c'est des papiers que nous te remettions, et nous pensons immédiatement que vous faites idée, vous allez aller dans le sens de l'histoire. Comment vous faites ça? Comment écoute, son commission qui vient qui attendait en pile monde, vous pas répondre au point spécialement, vous répondre à partir de. Méthode de gain pour aborder crise, ça veut dire que c'était élection. Nous disons non, et nous pensons que Jodia n'a expliqué au profond de crise là, c'est sous ça qu'on parlait, mais il y a un point de résolution de crise là, ce n'est pas Jovenel Moïse. Deuxième point, écoutez, nous gagnons environ 6 entités politiques. Il y a une certaine évolution qui fait dans l'avancement de crise là. Et Jodia nous réunit. De une commission qui a rencontré Mécène, qui parle avec elle, m'a dit réponse Mécène. L'IPAP Jean constitué un obstacle à la résolution de crise. Et nous avons mis à la crise. Donc, la petite dit que nous avons appel que dire pas besoin de lancer tout par rapport à tout le monde qui est victime matissant. Un appel de solidarité. Parce que au niveau de la Diopole, nous-mêmes, nous prenons sur nous. Pour que Mounio nous aider dans le sens sportif Kafoua et gagner en commission qui va le déplacer pour aider Mounio et nous profiter de demander à toute force du pays pour que vous aidez Mounzaïo qui est victime de l'insécurité Jovenel, de banditisme d'État et qui l'a deux bras balancés dans le sens sportif là. Donc nous lançons un appel de solidarité et une commission avec un tête Boiron qui va le déplacer pour nous. Merci. Résolution de prendre pas d'invité là pour nous devenir discuter d'élection. D'abord, n'a pas l'élection les journalistes malin. Et deux, 3h10, les à la papote nous dit ça à 5h-5. Eh bien, il a parlé de comment Jovenel doit aller. Est-ce que si une commission de facilitation, est-ce que nous sommes d'accord? Nous disons depuis Jovenel aller, nous prêts avec tout secteur en pays, l'opposition compris, pour nous joindre une solution. Mais la solution, c'est d'abord le départ de Jovenel et ensuite Chita avec tout le monde. Tant que nous faisons l'accord que nous, les 5 partis politiques, le 5 juin 22 que nous gagnons, que les ça avancé. Les 6 groupes politiques. Un, le départ de Jovenel. Deux, un premier ministre consensuel. Trois, un autre CEP. Quatre, mettez des structures pour les procès Pétro-Caribé, procès et massacre, et sécurité, et les ça et les ça. Seulement, on n'a pas d'élection. Donc, dans la conférence nationale. Donc, c'est ça, en clair, nous dit. Et pour me répondre directement de 3h10 à 5h moins, eh bien, question a changé. OEA a commencé à dire, Lila, nous sommes membres, il est venu s'informer et Albaï Rapoli, et pour connaître qui solution ensemble nous capables. Est-ce que nous sentons nous grandir en tant que politiciens? Nous capables de dire depuis environ plus de 30 ans, c'est toujours comme ça, après chaque 4 ans, chaque 5 ans. Il faut que la mission qui est dans le pays pour venir mettre la paix, pour voir ça nous a fait. Comment nous sentons-nous en tant que politiciens, quand fait politique depuis par contre, qui radio? Radio Bookman. Par contre, qui radio? Radio Bookman. Radio Bookman. Yeah. Jodia a parlé de une rencontre, une invitation que nous venons dans OEA. Nous venons faire un rapport et nous discuter sur l'avenir
quelle est la solution pour Haïti? La solution pour Haïti, il faut Jovenel aller. Et les Jovenel finalement pour que nous un premier ministre consensuel avec tous les secteurs et pour nous mettre une autre CEP, une structure pour les procès et comment nous allons faire conférence là ou bien dialogue pour nous capables pour l'autre projet pour l'autre Haïti. Donc c'est ça. Bon, question, la question pour moi, c'est pas la question, c'est la réponse à la question. Moi-même et la DIRCOP, nous-mêmes qui nous représentons, c'est notre réponse à votre question. Merci. Merci pour la question. Moi, je pense que sous question OEA, il y a des gens qui font présence physique, il y a des gens qui font présence par écrit, virtuel, par écrit. Donc, le secteur démocratique, là, il voyait dit exactement ça le dit. Eh bien, il faut déplacer à dit ça le dit. Comme c'était la dernière question. Non, mais pour participer dans tout ça, nous ne pas aller. Mais nous-mêmes, nous connaissons dans le secteur démocratique là, nous sommes dans le monde. Ça explique tout ça, ça explique. Dernière question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On a commencé? Merci. Direction politique opposition. À remercier Diocon, à remercier Mme Lavresse, qui est le 21. La conférence de presse, nous parlons là. Nous connaissons la situation du pays à vite, je dis, c'est extrêmement difficile pour toute nos populations. Nous connaissons comment ils s'exécutent à pas les terrains. Personne n'a pas les pour le pays à faire. Donc je dis, nous finis là, nous disons à la population, à part que 6 entités politiques, dont Diopod, signent, pour nous être comment nous capables de retirer le pays à nos salaires. Nous-mêmes, la Diopod, nous te répondons à l'invitation que l'OEA te fait nous. Et nous croyons que nous avons bon temps pour nous dire population exactement qui ça représente un Diopod total discuté et sous qui ça a discuté. Donc c'est pour ça que pour quelqu'un, non, nous qui t'a représenté Diopod, donc sénateur Jacinthe et ingénieur Gadel, et le sénateur La Tortue, qui va le battre. Mais le monde qui va le faire compte rendu à vous, c'est sénateur, c'est ingénieur Gadel. Et ensuite, les questions sont ouvertes, nous là pour nos questions. Et puis, il y a l'autre à répondre. Merci beaucoup. Merci. Ingénieur Gadel, vous avez la parole. Merci Marie-Denise. Décider. Alors, ce que vous avez venu avec la commission ministérielle, c'était pour faciliter, pour permettre que l'élection qui aura lieu. Pour pas dire que ça vous-même vous proposez, nous, si on va jamais avoir des questions, qui ça vous propose. Oh, d'entrée de jeu, c'est parce qu'on pas suivre. Mais nous, d'entrée de jeu, chef délégation, dit nous, et nous allons discuter là, c'est pour arriver à un engagement pour les élections et pour un engagement pour la démocratie. Pour la démocratie, nous déjà engagés, nous-mêmes pour la démocratie.
démocratie, c'est des démocrates. Mais pour les élections, nous dit pas question. Ça, on ne peut pas attendre ça. On dit pas question d'élection. Nous campons, nous disons pas parler des affaires d'élection. Parce que pour nous, comment... pas de condition pour faire. Qui réaction à comment on est obligé à caisser. Mais pas l'autre pour faire. Et nous saluer et remercier. Oui, nous saluer et remercier alors Kressla qui vient couvrir la conférence de presse matin, on a dit à midi. Et la conférence de presse a une grande importance. L'importance, c'est le fait que gagner ça n'a qu'à brûler des mauvaises informations, des déformations qu'a fait sous question rencontre avec l'OEA. Nous croyons que c'est une bonne opportunité et un bon moment pour nous bailler éclaircissement sur question ça. Un, on a dit que nous te recevoir une invitation de la part de l'OEA pour participer à nos rencontres avec une mission spéciale qui rentre dans le pays. L'ENT a analysé en quelque sorte l'invitation, contenu, ça a bien la donne de, comme thème de référence, etc. Et ça le représentait dans la conjoncture politique qu'il y a. Après discussion, nous avons décidé pour participer à la donne. Et nous avons dit nous participer à la donne parce que nous avons rendu compte que ce n'est pas une mission et Almagro, secrétaire général OEA, qui déjà a une position qui l'a soutenu le président de facto. C'est une mission qui fait à partir de ça une résolution que le Conseil permanent l'OEA a dépris. L'EOT fait des critiques en règle sous gouvernance de Jovenel Moïse. Et il faut me dire tout que la mission ça a manqué pas fait parce que des grandes piles de discussions, parce que l'EOT pensait que les gens qui sous position de Jovenel Moïse, ils croient que la mission ça a pas fait. Parce que ce n'est pas une mission qui a un avantage. Et bien, après discussion entre eux-mêmes, nous fin par faire mission ça. Et c'est le cadre ça qui fait nous-mêmes dans le baptiste. D'entrée de jeu, nous avons dit dans la mission ça, les gens qui viennent dans la mission, tu as environ 5 monde, tu as gagné ambassadeur grenadine, tu as gagné ambassadeur américain, canadien, équatorien et Costa Rica, tu es là. D'entrée de jeu, il y a demandé nous pour nous prendre engagement vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis des élections par rapport aux élections. Eh bien, d'entre eux, à la parcotte, nous disons, nous ne venons pas là pour discuter à faire élection. Nous disons, oubliez ça, nous ne venons pas là pour discuter aucune question d'élection. Et avec force, que nous disons. Et nous disons que la présence là, c'est deux raisons. Un, parce que nous connaissons que ça a son mission. De conseil permanent l'OEA qui vient là pour une autre cause. Deux, nous venons là pour exposer Santa Cabrile, point de vue nous, l'étupane de la crise qui vient là et de telle sorte que nous sommes aller avec des éléments nouveaux, que ce n'est pas parole et pouvoir qui a intoxiqué tous les jours, que c'est celle parole ça qui attendait. Nous voulons faire autant de paroles neuves, une parole qui corresponde à Santa Cabrera, la réalité politique, sociale et économique. Donc, en ce sens, nous disons tout d'abord, la crise haïtienne aujourd'hui, il y a deux composants. Un, il y a une composante conjoncturelle. Deux, il y a une composante structurelle. Sur le plan conjoncturel, nous disons que Jovenel Moïse, qui gagne un mandat fini, depuis 7 février 2021, suivant l'article 134.2 de la Constitution et l'article 239 du décret électoral 2015, dans deux documents qui constituaient le cadre légal qui était organisé, élection qui était porté Jovenel Moïse au pouvoir, il dit mandat, monsieur, fini. Et nous disons que toutes les institutions en un pays, les forces en un pays, que c'est l'Église catholique, l'Église protestante, CSP, les majorités partis politiques,
l'université, etc. Même des universités aux États-Unis, des grandes universités aux États-Unis, analyser le document et dit que mandat se finit. Donc, à partir de ce moment, nous dit le 7 février, Jovenel Moïse Jonnet qui font coup d'État contre la Constitution et contre le peuple haïtien. Nous demandons, est-ce que nous sommes prêts pour nous soutenir ça, pour nous soutenir un coup d'État, pour nous qui fait un coup d'État, pendant que nous disons que c'est des organisations qui défendent. Cap défend le droit monde, cap défend la démocratie. Donc nous dit que dans la phase nous relais et crise conjoncturelle là, pour résoudre, il faut qu'on évacue Jovenel Moïse du palais national. Donc nous-mêmes nous disons ça, son bagage qui inébranlable pour nous, nous ne pouvons rien nous pas le faire avec Jovenel Moïse. Pas question de parler d'élection avec Jovenel Moïse. Et de ça, nous pas argumenter. Nous montrer comment va y payer. Monsieur font une mise en quelque sorte sur le pays, sur tout l'État, toute structure l'État. Donc, je pense que je pour une élection avec un nec pareil. Mais en dehors de tout ça, monsieur dans une situation d'illégalité. Donc, je pense qu'on est illégal et puis je vais mal faire élection. Pour faire élection, je dis, pour nous, ça va pas nous ne bien parler de ça. Et nous disons que deuxième élément, deuxième phase, crise là, qui sont crises. Et nous dit structurel, et bien, face à nous comprenons bien, il faut entrer dans ça, il y a un dialogue entre les différents secteurs de la vie nationale, que ce soit secteur privé des affaires, secteur politique, secteur de la société civile, les églises, les intellectuels. Il faut nous chiter ensemble, il faut nous chiter pour nous discuter pendant plusieurs jours, et même moi, pour nous dire qui ça n'a fait payer, qui ça n'a fait avec 27 750 km2, 12 millions de monde. Plus de 80% là, n'ont pas à manger, tu vois, ils sont pauvres. Donc, qui ça a fait pour Haïti, vivre dans un pays côté tout le monde qui a l'espoir là. Là, il y a un gros dialogue, un gros chita de parler entre les différents secteurs de la vie nationale. Parce que l'Haïti d'aujourd'hui, c'est notre échec. C'est échec, nous, c'est nous qui mettons là. Haïti pas marché et pour arriver côté de là. C'est nous-mêmes qui prenons responsabilité dans mauvaise gouvernance, dans mauvais comportement, nous mettons Haïti côté de là. Donc c'est nous-mêmes qui vous chita pour nous retirer là. Donc, discussion tournée autour de cette situation, la situation économique, la situation d'insécurité, etc. etc. et nous pas brancher. Donc pas pour dire que le premier pas que vous faites, c'est le départ de Jovenel Moïse. Et c'est là ça que nous avons parlé d'élection en un pays. Parce que pour nous, pendant ces 30 dernières années, nous mettons même 7 présidents au pouvoir et chaque fois nous mettons un président, le pays a mis mal. Chaque fois nous faisons élection, il sortit, on est écrasé. Donc par conséquent, bon bagaille pour nous régler, nous ne pouvons pas pour y faire élection sous tête, même gens qui sont internationaux ont forcé de faire élection. C'est pour nous créer les conditions, travail pour nous créer les conditions de telle sorte que nous gagnons des élections qui feront servir pour créer ça, la stabilité politique de ce pays qui va nous amener à Santa Caribe le développement économique, social et en d'un pays. Font le pays dans l'intérêt de nous. Voilà en quelque sorte ça qui effectivement débattu pour nous camper, gélanger avec les représentants de l'OEA pour nous discuter ça et bailler position nous et défendre. Bien sûr, nous te dit nous ne pouvons pas attaquer l'OEA pour dire ce qu'on a fait, etc. Nous ne pouvons pas dire que ça va nous lister. Ce n'est pas ça qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est de dire nous-mêmes mes positions, mais ça n'a pas cherché, mais ça ne veut que nous-mêmes, ce n'est pas à chercher petit pouvoir dans la question de transition qu'il y a mis sous l'opposition. Qu'il faut que l'opposition n'ait pas cherché, n'a pas cherché pour pouvoir dans la transition. Nous disons non, nous voulons créer les conditions pour qu'il y ait des élections et que l'élection pourra servir le pays. Ce n'est pas moi d'élection à faire depuis 30 ans. Voici en gros ça nous défend, changer avec force de caractère en face de l'OEA.